course avec papa. Chérie, je vais être vraiment très occupée aujourd'hui. Donc si tu pouvais te charger de faire les courses pour le dîner, ce serait parfait. Ah, bon. Oui, pas de problème. Tu n'as qu'à prendre un rôti, des légumes, des tomates, si elles sont assez mûres. Ça va, ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. D'accord, mais pense quand même à acheter un cartable pour Nicolas. Le sien va bientôt lâcher. Ouais, je peux venir le choisir avec toi? Bien sûr, Nicolas. Ça va, je n'ai pas besoin de passer à la banque pour retirer de l'argent. Pourquoi? Tu comptes voler dans les magasins? Moi? Oh, tu veux voler mon cartable? Au voleur, attrapez-le! Mais non, quelle idée! Je ne vais rien voler du tout, enfin. Je veux dire que j'ai largement de quoi payer toutes les courses avec ce billet, c'est tout. Tu ne te rends pas vraiment bien compte des prix, j'ai l'impression. Qu'est-ce que quoi? Figure-toi que je faisais souvent les courses avant de te connaître et que je me débrouillais plutôt bien. Oui, vas-y, tu peux rire. Mais je te parie que ce billet me suffira largement pour faire toutes les courses. Pari tenu. Je suis curieuse de voir ça. Il suffit de ne pas se laisser embobiner par les commerçants et c'est tout. Bon, j'y vais, moi. Au revoir. Nicolas, je passe te prendre à la sortie de l'école. Il est terrible, ton nouveau ballon. T'as de la chance. Ouais, c'est vrai, on l'a gonflé ce matin avec mon père. Oh, dis si on l'essayait tout de suite pour voir. Quoi, pour se le faire confisquer? Non, pas question, on jouera ce soir au terrain vague. Bah, juste quelques passes, pour être sûr qu'il est bien. D'accord, mais en faisant attention, hein. Je suis sûre que je tire plus fort que toi. Ah, ça m'étonnerait, mon cher. Ah ouais, eh ben regarde. Qu'est-ce que... Confisqué, comme d'habitude. Maintenant qu'on a plus de ballon, comment on va faire pour jouer au foot? Fallait pas tirer si fort aussi. Ouais, d'ailleurs, je sais pas ce qui me retient de te coller mon poing sur le nez. Bonjour les enfants. Ah, c'est mon père. Ouais, bah tu perds rien pour attendre. Écoute, on doit aller faire les courses. Je peux peut-être lui demander d'acheter un ballon. Ça, ce serait vraiment chouette. Alors, ça va les garçons? Oui, monsieur. Désolé, mais pas question que je vous ramène chez vous. Je vais faire des courses avec Nicolas aujourd'hui. On s'est dit que ce serait drôlement chouette si tu profitais des courses pour nous acheter un nouveau ballon. Bon, peut-être. On verra s'il reste assez de sous après avoir fait les courses. Qu'est-ce que j'avais dit? À nous le nouveau ballon. Ouais, on dirait que t'as sauvé ton nez. Tiens, Nicolas, on va acheter le rôti et c'est toi qui vas donner l'argent au boucher. Ouais. Et voilà, Vitan. C'est quand même drôlement cher, un rôti. Quoi? Mais c'est carrément hors de prix, tu veux dire? Oui, à croire que le boucher veut pas qu'on ait notre nouveau ballon. Dites donc, mon bon monsieur, vous devez pas faire les courses souvent, vous. Si ton père prend le rôti, adieu le ballon, c'est sûr. Papa, c'est vraiment trop cher pour de la viande. Ah, vous voyez, tout le monde est de mon avis, on dirait. Allez, Oust, hors de ma boutique et vite. Quoi? Oust? C'est la meilleure, celle-là. De toute façon, c'est pas la peine d'acheter de rôti, j'aime pas trop la viande. Oui, tu as raison. On va plutôt faire une bonne omelette ce soir. Vraiment faire attention parce que certains commerçants exagèrent avec leurs prix. Ne t'inquiète pas, papa, on va ouvrir l'œil. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, nous avons besoin de tomates, de haricots verts et d'œufs pour l'omelette. Ça va, le prix a l'air raisonnable. Oui, allez, 1 kilo s'il vous plaît. Un kilo, ça ne fait que 5 tomates, c'est tout. Monsieur, pour ce prix-là, vous n'espériez tout de même pas avoir une plantation. C'est vraiment dommage que les tomates de mon jardin ne soient pas mûres. De toute façon, 5, c'est largement suffisant, non? Et pour 6 œufs, alors, j'espère ne pas avoir à payer le prix d'un poulailler.
Au moins, les boîtes de conserve, ça ne risque pas de s'ouvrir. Quel maladroit. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas l'habitude de faire les courses, monsieur. C'est tout ce que j'ai comme monnaie. Eh ben, heureusement que je n'ai pas cassé les œufs tout à l'heure. Pas question de risquer les sous du ballon. Là-dedans, les œufs sont en sécurité. Bon, maintenant le cartable. Et le ballon. Et le ballon, bien sûr. Enfin, vu les prix qu'on pratique dans le quartier, on verra bien. Allez-y, les enfants. Je mets juste les tomates dans la voiture. Dites-moi, ça me paraît rudement cher pour des cartables tout simples. Oh, ça, c'est vous qui le dites, monsieur. Tu sais, papa, mon vieux cartable peut encore tenir un moment. Oh oui, regardez, monsieur, c'est costaud. J'ai le même. Je crois que vous avez raison, les enfants. Il suffit juste de le réparer un peu. Mais oui. Pas de nouveau cartable, ça veut dire un nouveau ballon. Heureusement que je suis bricoleur. Ça permet de faire des économies. Il me faudrait juste un tube de colle pour réparer la poignée. C'est pas la peine d'en acheter, monsieur. Je peux vous prêter le mien. Ah, eh bien, c'est parfait. En fait, on ne va rien vous acheter aujourd'hui, monsieur. Si, le ballon. Ah oui, j'oubliais le ballon. Bon, c'est bien parce que j'ai fait beaucoup d'économies. J'aurais même encore assez pour un goûter. Ouais, terrible. Ouais. Eh, fais une passe. Voilà, les enfants. Pas de ça ici, hein. Ne vous inquiétez pas, ça ne risque rien. C'est bon. Pour le goûter, on peut s'en passer. Oh non! Encore un ballon confisqué. Et il n'y aura pas de gâteau pour le goûter en plus. Quoi? Si cher pour un petit vase de rien du tout? C'est une autre idée ou quoi? Là, c'est sûr, on peut dire adieu à notre match de foot, les gars. Et à ton nez. Oh, dis Rufus, c'est pas ton père qui est en train de mettre une amende à celui de Nicolas? Ça ne va pas arranger son humeur. Au contraire, si mon père accepte de lui retirer la main, ton père sera content et il voudra bien nous rendre le ballon. Tu crois que ton père sera d'accord? Ça, j'en fais mon affaire.